Bonjour à tous, nous voilà de nouveau pour un live avec Monsieur Maupeau. Merci de Bonjour. l'avenir, mon Je cher t'en ami. prie. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, attends, je me mets là parce que tiens, je passe par là. Voilà. Ah oui, hop. Ah non, viens là. On Ok. Monsieur Maupeau, qu'allons-nous faire aujourd'hui? va faire des muffins miel, figues et framboises. Ah ouais, quand même. Tu t'es chauffé aujourd'hui. Ça va, c'est si rapide à faire. Ça va? Ouais. Ok, ça prend combien de temps à faire? Un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, vous devriez pouvoir survivre. Ok. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut plein d'ingrédients. Un ingrédient. C'est parti. Nous avons donc du miel. Je vous montrerai exactement quel miel on a utilisé juste après. De la farine. Du sel. Du sucre. Et de la levure. Oui, je l'ai. Voilà. Du lait. Là, je ne vais pas vous le montrer très fortement. Et un œuf. Ok, donc vous voyez, il ne faut pas énormément de choses. Ah oui, il faudrait peut-être aussi des figues et des framboises, ce n'est pas faux. Excusez-moi. Donc des figues et des framboises. Trop cool. Il ne faut pas énormément de choses et ça va aller vite. Donc je vous mettrai la recette comme d'habitude tout à l'heure sur le blog. Dis-moi tout. Eh bien, on va commencer. Allons-y. Alors, je prends mon miel. On met ça. Dedans, je vais mettre mon sucre, mon sel et mon œuf. J'étais plus centrée par rapport à la caméra, monsieur. C'est bien, c'est plus Tout pratique. à l'heure. Et du coup, Tu mélanges. je mélange. Jusque-là, pas vrai. Ce miel sent super bon. C'est pas n'importe quel miel. Ce n'est pas n'importe quel miel. Encore une fois, on mélange juste après. Ensuite, je verse. Donc, il y a du beurre également, du coup, qu'on ne vous a pas montré tout à l'heure, du beurre fondu. C'est mieux. Et tiède. Pas que ce soit trop chaud, c'est mieux, je vais C'est sortir. chaud, c'est bien. Chaud, c'est bien. On va chaud, c'est bien. Je remélange. Préparation très compliquée aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Le lait. Ça va être les pesées les plus longues, je pense. Hello. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour ceux qui arrivent, nous sommes en train de faire des muffins au miel, à la figue et à la framboise. Donc, je pense que ça va être pas mal. Et ensuite, la farine De la farine, jusqu'ici tout va bien encore. et la levure chimique. Et donc. Et je remets un peu. Et on y va. Donc, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Hello. N'hésitez pas à nous les poser. On y répondra avec plaisir. Enfin, surtout, monsieur Mo. Ça sent déjà bon. J'ai déjà faim. Et en plus, aujourd'hui, donc, Lina est partie hier. C'est la fin de son stage. Elle nous a quittés. Elle nous a quittés vachement et elle ne regarde même pas ce live. Je suis un peu déçue. Il faut le dire. Mais du coup, ça veut dire qu'il y aura plus de gâteau pour moi. Donc là, j'ai ma pâte. Je vais juste couper rapidement les fruits Est-ce pour que ne tu veux que pas je perdre t'aide? dedans. Si ça peut te faire plaisir. Ça me fait très plaisir. Donc là, on vient juste couper. Allez, je me mets sur les framboises, très cher. Ça m'aurait surpris. Ça devrait surpris. Je te les coupe en combien de petits morceaux? On va couper en quatre. Je le coupe donc les framboises en quatre. Coucou! Ça va, Charlène? Je lis les messages en même temps. C'est bien. Je fais pas bien mon travail en train de couper. Moi, je lis vos messages. Hop, donc pour ceux qui arrivent, des muffins, pardon. Miel, figues et framboises. Et on vous met la recette donc tout à l'heure sur le blog. Une fois qu'on aura fait les petites photos qui iront avec. Et pour une fois, on devrait réussir à pas avoir de problème parce que Lina ne mangera pas tout. tellement facile. Facile quand elle est plus là. En même temps, elle ne regarde même pas le live, tu vois, elle pourrait regarder le live pour Non, ça ne lui pas ferait être trop de contente. mal. Je pense. On nous dit miam. J'espère bien que ça va être bon. Mais j'ai pas trop de doutes avec Anthony. Ah, ça m'intéresse. Alors, ben, en fait, là, en fait, on finit. En fait, je n'arrive plus à parler aujourd'hui. On C'est a fait un compliqué. appareil à muffins et on va mettre des fruits dedans. Je voulais juste dire que ça prenait un quart d'heure à faire, à tout casser. Donc, c'est facile à faire chez vous, c'est rapide. Et vous allez voir, c'est super bon. Hello. C'est calme aujourd'hui, il n'y a pas de musique. Oui, c'est ça. C'est toi qui as tout coupé, tu peux pas. Vous voyez, dans quelle atmosphère je travaille. Elle est dure, t'es bien. Exactement.
Du coup, là, on met juste tous les fruits dans l'appareil à muffins. Merci, monsieur Rojo. C'était un moment de détente. Et du coup, on mélange. Hop. Mélanger, que diable, mélanger. Je mélange, très cher, je mélange. Je t'ai fait ça, mais avec tellement d'amour. Tu vois? Ouais. Regarde, regarde-moi ça. Les détails de la recette, il vous sera donné tout à l'heure sur le blog, comme tous les jeudis. Donc, on vous mettra la recette tout à l'heure. Je vous l'annoncerai sur Instagram. Ah, ok. J'ai un peu de fromage. Si vous faites ça, je regarderai le live juste pour ça. C'est vrai? Ouais. Ouais, je suis contente. Est-ce que tu... Bah, tu as une forme déjà. Il a tout prévu, mais il est bien cet homme. Je te mets sur les signes. Je te tiens le... Je suis cool, je suis gentil. T'as vu un peu comme je travaille avec toi, main dans la main, en équipe? Magnifique. Magnifique, n'est-ce pas? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en même temps. Avec quelle main on tient le cul de poulet, mais... Les deux. Voilà, sur ça. Ah, j'ai recoupé ma poche. Tu as déjà 15 paires de ciseaux. Il est incroyable, cet homme, il est incroyable, comme d'habitude. Et ensuite, c'est Mopou. Je remplis une petite caissette. Au trois quarts? Ouais. Donc, on remplit les moules à muffins au trois quarts. Hello, ma Chantal. On se voit demain. Tu peux t'en garder un, Chantal. De quoi? Je peux en garder un pour Chantal. Chantal, on m'annonce qu'on peut te garder un muffin pour demain. Ou deux. Ou deux, parce que vous êtes deux demain, je crois. Non, ils sont plus. Non, mais Chantal, ils sont deux demain. Oui, ils sont deux. Vous voyez, vous aussi, si vous venez faire un cours de pâtisserie à l'atelier, on peut vous garder des muffins. Puisque Lina n'est plus là pour tout manger une fois de plus. C'est pas faux, ça. C'est pas faux. Sinon, ça, c'est impossible. Super. Et du coup, tout simplement, je suppose que nous allons les mettre à cuire. Exactement. Incroyable. Perspicace. Ok, super. Donc là, on les cuit pendant combien de temps? À peu près 25 minutes à 180 degrés. 25 minutes à 180 degrés, mais encore une fois, on va vous mettre la recette tout à l'heure. Hâte d'être à demain, on nous dit du coup Chantal. Et mince, qui va tout manger maintenant? Je ne sais pas. Je pense qu'on va se rabattre sur les voisins de l'atelier pour faire goûter toutes nos créations. Mais du coup, il y a autre chose à préparer, monsieur Mopou? La chantilly, je voulais juste monter pour l'enfant. Eh bien, alors monsieur Mopou va aller monter, du coup la chantilly qui sera au-dessus de nos muffins. Et en attendant, moi, je vais vous montrer quelques produits avec lesquels, enfin, déjà, le mien avec lequel on a réalisé ces muffins. Je ne sais pas si vous connaissez tout, c'est une petite start-up française. Tout est fait à Bordeaux, tout est made in France, le mien est incroyable. Ça s'appelle Les Sangs de la Reine. Et du coup, vous pouvez les retrouver chez nous. En boutique, et le miel est vraiment dingue. Du coup, on l'utilise maintenant dans toutes nos pâtisseries. Et également, parce que du coup, on aime bien toutes les startups de la food à la boutique. On aime bien recevoir plein de petites nouveautés et des produits très qualitatifs à chaque fois. Et du coup, là, on a fait rentrer également, je ne sais pas si vous connaissez tous, c'est Chic des Plantes. C'est des infusions hyper qualitatives et qui sont vraiment délicieuses que vous pouvez également retrouver à l'atelier et bientôt sur le site. Que puis-je vous dire d'autre? En attendant qu'Anthony monte sa chantilly. Après, je fais de l'animation et je comble les trous en attendant. N'est-ce pas? Oui, évidemment. Vous pouvez également retrouver pour tous les gourmands qui font beaucoup de pâtisseries, une grande gamme de la marque Silicomart, pardon, sur notre site web. Vous avez à la boutique pour les Parisiens. Et du coup, vous pouvez retrouver pas mal de choses. Autre nouveauté, Anthony, que pouvons-nous dire d'autre? Et vous, toi, super, merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis preneuse. Autre nouveauté, ah ben la box d'août, très chère, on est le 1er août. Donc, il y a la box du mois qui est sortie ce matin, qui n'a même pas encore été annoncée sur les réseaux. Donc, vous allez être en premier à les savoir. Oui, nouvelle veste, vous aimez bien? Je peux faire un défilé comme ça. On a changé parce que le blanc, on en avait un peu marre, on avait envie de mettre du noir. Enfin, bref. Du coup, la box du mois d'août pourrait revenir. Ça sera avec du Valrhona. On va vous faire découvrir donc l'inspiration framboise, puisqu'on va vous faire des petits choux à la framboise. Ce sera donc une pâte à choux, donc vraiment classique de la pâtisserie que vous devez maîtriser, avec du coup un confit de framboise
et une diplomate avec de l'inspiration framboise. Vous allez voir, c'est un peu une furie. Et du coup, je ne sais pas si vous avez déjà goûté les inspirations de Valrhona. Merci Chantal. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté les inspirations de Valrhona, mais c'est assez dingue. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble d'ailleurs. Donc la gamme Inspiration, oui, il n'y a même pas de colorant à ajouter. Et c'est vraiment la couleur de la framboise et le goût également. C'est vraiment assez dingue. Donc, si vous ne connaissez pas, ça va être le moment de découvrir dans la box. Hello Jonathan. Donc ça, la box du coup est disponible jusqu'au... Je parle de plus en plus fort parce qu'Anthony monte la chantilly. Du coup, la box est disponible jusqu'au 25 août sur le site. Et elle sera disponible à l'atelier, je pense, en milieu de semaine prochaine pour les Parisiens qui ont envie de venir la chercher directement. Et du coup, ils n'auront pas des frais de port. Autre nouveauté, que puis-je vous dire? Je ne sais pas. Dans cette box, d'ailleurs, du mois d'août, il y a également deux douilles de billets. Ça, c'est pas mal. Vous avez une douille cannelée, je pense que je vais par là. Et fuite, comme vous dites. C'est celle-là? Vous avez donc, c'est bon les inspirations, ouais, ils sont dingues les inspirations de Valrhona. Donc dans la box du mois, vous avez également donc, une douille cannelée de billets et une classique pour le pochage des choux. Voilà, donc il y a pas mal de choses ce mois-ci, encore une fois. Est-ce que ta chantilly monte, monsieur Mopou? Dans 10 minutes, génial. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de préparer donc, des muffins avec du miel, de la figue et de la framboise. Et du coup, donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, je vous conseille d'aller découvrir en urgence. Ça s'appelle l'essence de la reine, c'est fait en France, c'est que du miel français. C'est un petit apiculteur, pardon, vers Bordeaux et c'est vraiment dingue. Je vais chercher les muffins qui sortent du four. Je vais chercher. Hop, donc. Là, voici nos petits muffins donc, qui viennent tout juste de sortir. En vrai, ils sont sortis un peu plus longtemps parce qu'on les a laissés refroidir pour pouvoir mettre la chantilly dessus. Et monsieur Mopou va arriver avec la chantilly d'un instant à l'autre. Est-ce que vous avez des questions entre-temps sur la recette, les box, les nouveautés, les coups de pâtisserie? Monsieur Mopou, je vous écoute. Alors, pour le moment, on met personne dans le direct, mais c'est vrai qu'à terme, on pourra vous faire rejoindre le direct. Je n'ai pas pensé à cette option. Anthony, ce sera une joie. Je viens d'arriver, j'ai loupé quoi? Bah, du coup, la préparation des muffins. Donc, mais c'est vraiment pas compliqué. On a la recette tout à l'heure sur le blog. C'est juste un appareil à muffins avec de la figue et des framboises. Et là, Anthony vient juste de monter une petite chantilly. Mascarpone et miel. Mascarpone et miel, carrément. Donc, toujours avec ce super miel. T'as vu mon petit placement de produit? J'ai tout aidé pour ça. Pas du tout. Du coup, voilà, donc c'est une belle chantilly. Elle est belle. Hop, et on va juste venir la toucher au-dessus des muffins. N'est-ce pas très cher? Je te tiens la cuve. J'essaye de servir à quelque chose. C'est pas facile la vie avec moi. Pourquoi on ne vous voit pas faire juste la chantilly parce que ça fait trop de bruit de monter au robot, mais on a juste mis dans un robot de la chantilly et du mascarpone. J'ai mis de la crème mascarpone et miel. J'ai juste monté en dessous. Enfin, du coup, c'est pas très le plus intéressant à voir et ça fait trop de bruit en fait et vous n'entendez plus rien pendant le live. Petite framboise. C'est mignon. Oh là, j'en profite pour vous dire que la recette de la glace vanille de l'autre jour est top. Ah, trop cool. C'est cool d'avoir vos retours et de savoir que vous essayez vos recettes. Et effectivement, elle est dingue, cette glace vanille, je suis assez d'accord. Gros souci avec le son. Bah oui, du coup, c'était parce qu'il y avait la chantilly qui était en train de monter. Hello, Elisabeth. Ok, merci, pas grand-chose de loupé. Non, ça va. Et là, du coup, on fait le montage. Donc, il y a juste Anthony qui est en train de pocher. Du coup, je vous incline l'écran. En train de pocher donc autour d'une petite framboise. Donc, c'est très mignon. C'est mignon, monsieur Mopou, ce que vous faites. Voilà. Et après, je vais le décorer. Vas-y, je te laisse décorer. Parce que je te laisse faire, après, je vais me faire engueuler. Oui, donc là, on a donc des petits muffins. Trop mignons.
Avec du coup à l'intérieur déjà des morceaux de figues, de framboises et du miel. Avec une chantilly mascarpone au miel, une framboise à l'intérieur. Et là, Anthony du coup est en train de préparer la figue pour décorer. On nous dit j'ai faim. Ça donne déjà envie, c'est gentil. Mais je pense que ça va être particulièrement bon. Je vous dirai ça dans 5 minutes quand il aura fini de décorer et j'aurai le droit d'y toucher. Et du coup, on a beaucoup à manger puisque, je le rappelle, notre stagiaire nous a lâchement abandonnés. Il nous a quittés. Enfin, c'était la fin de son stage en fait. Donc Lina, si tu regardes ce live, on pense à toi et on va manger beaucoup à ta place. C'est très dur comme métier, vous verrez, vous voyez. C'est le métier le plus compliqué. Je goûte des milliards de gâteaux à la journée. C'est pas vrai, pas de chose. Pas vrai. Un peu vrai quand même. Je vais... Ah ben on va couper sur la planche, je vais dire, je vais chercher une assiette. Pas besoin. Je peux la remplacer. D'ailleurs, je passe une annonce. Nous cherchons toujours notre super stagiaire BizDev. Donc, si vous avez envie à partir de septembre de commencer un stage chez nous, nous sommes en train d'étudier pas mal de candidatures. Et à terme, nous allons également chercher un stagiaire en communication. Voilà, j'ai passé mes petites annonces. J'en profite. C'est bien. Hello. Trop de monde qui nous disent bonjour. Je ne suis plus. Monsieur Anthony pour le bazar, bah oui, non, mais c'est toujours lui qui fout le bordel à la Je rigole, c'est toi qui as montré 30 000 trucs. Et parce que j'attendais. Non. Parce que j'attendais que tu aies fini de mettre tout ton bazar, monsieur Moku. Tu expliques très bien pourquoi j'ai pas pu le montrer avant. C'est pas grave. Alors, voilà. Tu ne vas plus rien dire du coup. J'étais en train de tourner une vidéo que j'ai retournée à peu près 18 fois tout à l'heure. Voilà, du coup, il a pas pu bosser parce qu'il fallait pas faire de bruit. Donc c'est maintenant tout va être de ma faute, vous voyez comme il retourne la situation à son avantage. Hello, vous pouvez recommencer s'il vous plaît, j'arrive juste. Alors, on va pas recommencer le live, mais vous allez pouvoir le revoir, il va être sur YouTube également. Vous pouvez aller suivre la chaîne sur YouTube, il y a tous les anciens lives. Et du coup, donc pour ceux qui arrivent, et ben, du coup c'est bientôt la fin. Viens par là, toi. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Vous allez donc pouvoir découvrir une recette de muffins miel figue et framboise. Exactement. Voilà. Du coup, bah, désolé, mais nous, on va goûter. Même si vous avez très faim et qu'on vous donne envie, moi, j'ai encore plus faim. J'ai pas petit déjeuner aujourd'hui. Je sais même pas si t'as pris un petit déjeuner ce matin. Non. J'attendais que Lina me l'apporte. Tu as oublié. T'attendais qu'une stagiaire l'apporte. Vous avez vu, c'est beau d'être stagiaire chez moi. Oh, c'est trop mignon à l'intérieur comme ça. Attends. J'essaye de faire un truc bien et de vous montrer. Voilà à l'intérieur, du coup. C'est plutôt très mignon. Et ça a l'air plutôt très bon. Je te coupe un petit morceau. Tiens, monsieur Moku. Tu veux suivre avec la figue ? Non, vas-y, je t'en prie. Vas-y, papa. Vous ne savez pas couper, madame. Du coup, désolé si vous avez faim. Pas mal. C'est particulièrement bon. Et du coup, quand même, très rapide à faire. Oui. Ça a pris. Il y a combien de temps de cuisson? Tu vas dire un quart d'heure? Non, 25 minutes. 25 minutes de cuisson, 10 minutes de préparation à tout casser. Donc, en une petite une demi-heure, vous avez le temps, du coup, de préparer le gâteau. Il vous faut une stagiaire qui parle chat couramment. Ça va pas être pas possible. Forcément. On accepte le chien aussi. On accepte d'autres langages maintenant que celui de Lina. Et quelqu'un qui aura peut-être un peu plus de répartie pour M. Goku parce qu'il faut le suivre au quotidien, ça c'est pas facile. Mais du coup, vraiment, si vous cherchez un stage en BizDev dès la rentrée, n'hésitez pas à nous écrire sur le formulaire de contact ou sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc on vous met la recette dans quelques instants. Ça va aller vite. On fait juste une petite photo. On est déjà tapée. Elle est tapée, il faut juste faire une photo et je suis un peu chiante pour les photos. Donc ça va peut-être donc dans 2 heures, ce sera prêt. et donc voilà, donc on se retrouve jeudi prochain. On est toujours là jeudi prochain. Donc on se retrouve jeudi prochain pour le live. Des idées de recettes sont toujours les bienvenues pour inspirer notre petit Mopou. C'est lui qui crée toutes les recettes du live. C'est mignon. On travaille beaucoup. Voilà, et puis ben, on vous dit du coup à la semaine prochaine et à demain pour ceux qui viennent en cours demain. À très vite pour ceux qui viennent en cours très vite. Voilà. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Bye.